emballage en carton. Ah, oh. B1. B2, deux fois. D9, deux fois. B13, deux fois. Texture. Texture. Deux fois. Thank you.
Après, il y a une protection à retirer du deux côtés avant de faire l'assemblage. Voilà. C'est ça. Devant, on reconnaît ça, qui est plus long et moins large, qui sera bloqué par ces pièces ici. Ce qui explique qu'il faut couper vraiment correctement. Voilà. Je vais maintenir. Je vais essayer d'écraser pour qu'il ne rentre là. Comme ça, ça bloque. Et bien faire attention. Comme ça. Pour rentrer. Mais il faut pas mettre à l'intérieur. Il faut sortir à l'extérieur du plastique à l'extérieur et on fait rentrer. Voilà. Deuxième pareil. Voilà, appuyez ici pour que ça rentre. Égalité les deux côtés. Bon, l'autre côté pareil. On le bloque avec la porte devant, derrière la porte, pas de porte. Deuxième.
Une fois installé les barrières et le blocage, les deux côtés, barrières ici, plastique, retire les films de protection. Au milieu, dans la fente, qui sera bloqué par les deux barrières sur le côté et sur le bas. Voilà. Il ne veut pas dépasser puisqu'il est bloqué ici. Celui-là est bon. Celui-là. Je vais tester, je n'ai pas retiré le film encore. Une fois le plastique est à sa place, je bloque en serrant cette pièce. Donc, j'ai mis des pointes de colle forte sur toute la base pour que cette partie colle avec cette planche là. Sinon, ça n'arrête pas de bouger, de partir dans tous les sens. Dans les deux côtés, j'utilise la colle forte pour maintenir tout le contour parce qu'il est hyper fragile cette pièce. Voilà. C'est bon, maintenant il tient bien. Il est très solide. On va passer ici. C'est pareil les deux. Et ici aussi. Puis un peu légèrement. Et ici pareil. C'est bon, l'autre côté c'est pareil. Voilà. Ici maintenant. Les deux côtés en même temps. Ça évite d'avoir le décalage. Étape 5. Donc 65 fois 40 mm. Pour l'arrière ici, donc, il faut 70 mm. Et ici 70, 35, il faut 77, 78, 75, ça ira. Fois 35 pour le devant. C'est tout juste. Si je fais, j'ai coupé à 77, il est tout juste. Et ici, j'ai coupé à 65, il manquait 3 mm ici et 2 mm ici. Donc ça fait 5 mm de moins. Voilà, il faut couper 70 pour l'arrière. Thank you.
les roues. Une fois pour l'ensemble. Grise. Laser texture. Texture. Il faut bien faire attention à ne pas décaler les roues. Il y a une bouteille qui va avec le kit. C'est une petite bouteille de colle de blanche. Mais qu'elle me reste encore sur l'autre modèle. Du titanium qu'on voit. Il me reste encore la colle. Donc, je vais utiliser pour coller avec texture laser vers l'extérieur. Il y en a 8 un peu. 2, 3, 4. Pièce C7 bloquée dans ça vers le bas. Derrière, on fait pareil. Légèrement appuyé. Donc cette partie sur le devant. Donc, le centre ne bouge plus. Donc les roues vers le bas. Et on va insérer à partir le petit et deux crans sur les deux côtés. Pareil. Deux crans, deux petits devant, derrière, devant. Une fois c'est aligné, on pousse légèrement pour que ça rentre un peu. Voilà. Sur tous les quatre. Et là on peut forcer un peu. Ne jamais poser la main ici. On le casse direct. Cette pièce, je l'ai recollée parce que je l'ai cassée. Et on va attaquer les marches pour grimper sur la trame. Donc, il y a le cran de marche ici
à devant, la petite marche à l'arrière et sur les deux côtés. Comme ça. Deuxième. C'est pour le dos, comme ça, voilà, et le deuxième qui est monté temporairement, pas encore solidifié. Donc, au lieu de, avant de faire ça, il faut faire les deux côtés avant. Ça permet de serrer à fond, sans casser le matériel, les pièces. Voilà, comme ça. Et il est bon au niveau. Après, on peut pousser jusqu'au bout. Voilà. Deux, pareil. Ça, c'est la grande marche. La petite, pareil aussi. Double marche. La petite marche. Ça colle pas. Donc, pareil. Écran, pareil. Rajouter les points de colle. C'est un peu dur à insérer, c'est très serré. C'est très serré. Voilà. Le devant. Vers le haut. Premier, deuxième, troisième avec gravure, le devant sous, le rectangle au milieu, attention à la main là où il tient, parce que quand on appuie sur les trucs on va casser toutes les pièces. Donc, deux trous à l'arrière sur les côtés arrière en bas, des phares, donc j'ai pas trouvé un moineau qui a disparu. Cette pièce qui se trouve
Voilà. Ah, il est cassé. C'est plus pratique, c'est plus rapide et plus pratique. Voilà. Sure.